En plus d'être une chanteuse et comédienne accomplie, Camille Lelouch est une maman comblée depuis la naissance de sa fille. Dans une interview diffusée ce samedi 18 mars dans Télématin, elle a révélé comment l'arrivée de son premier enfant avait changé sa vie. Depuis le 9 octobre dernier, Camille Lelouch est l'heureuse maman d'une petite fille qu'elle a prénommée Alma. C'est par le biais de ses réseaux sociaux que la comédienne avait annoncé cette bonne nouvelle, une semaine après son accouchement. Je pensais faire une petite vidéo un peu maquillée, jolie, bien présentée après cet événement majestueux. Mais en fait, rapport à la force physique qui n'est point, je pense que je vais rester nature, indiquait-elle dans sa story Instagram. J'ai attendu une petite semaine pour l'annoncer parce que vraiment, physiquement, je ne pouvais pas. Je suis rentrée à la maison hier avec cette petite merveille. 5 mois après la naissance de sa petite merveille, Camille Lelouch a expliqué la manière dont son rôle de maman avait changé sa vie. Maintenant, il y a mon petit être, l'amour de ma vie avant de partir en tournée à l'été 2023. Camille Lelouch s'est produite à guichet fermé 3 soirs de suite à l'Olympia en février. C'est à cette occasion que Frédéric Zetoun a fait le déplacement pour s'entretenir avec la chanteuse dont la vie a été chamboulée par l'arrivée de sa fille Alma. Ça m'a fait relativiser sur tout, sur mon trac, sur mes angoisses. Évidemment, je vis pour mon métier, pour mon public, mais avant ça, maintenant, il y a mon petit être, l'amour de ma vie. Elle passe avant tout et donc, du coup, je suis beaucoup plus détendu. Je relativise, a-t-elle confié lors de cet entretien diffusé ce samedi 18 mars dans Télématin. Un soutien de taille, l'arrivée d'Alma n'a pas seulement changé la vie de Camille Lelouch. Elle a également changé celle de son compagnon, dont l'identité n'a jamais été dévoilée. Quelques jours après la naissance de leur fille, la comédienne avait raconté de quelle façon son conjoint était présent pour l'épauler. Mon cher et tendre se repose. On fait le relais, c'est l'avantage, on fait des petits 4 heures, 4 heures. Des fois des 3 heures, des fois des 2 heures. Donc là, je vais aller le réveiller. C'est incroyable. On va s'occuper de cette petite beauté, se remettre bien en jambes, préparer une belle tournée et surtout apprendre à parler beaucoup moins fort. Article écrit en collaboration avec Cimedia à lire aussi. J'étais frustré et triste, Camille Lelouch confie les conséquences douloureuses de son casting raté à la Star Academy.